Comment ça se présente, Fugitoïde ? Eh bien, disons que si je devais définir nos chances de survie, j'hésiterais entre quasiment nul et totalement nul. Attendez, il n'y a plus de jus ? Comment on va recharger nos combis ? C'est la cata. Il nous reste à peine 2 heures d'oxygène et de chaleur. Oh, je le crois pas. Moi, je veux partir avec panache auréolé des flammes de la gloire, grillées par les lasers de robots transformeurs géants ! Pas changer en glaçon ! T'es une drôle de petite créature des neiges, toi. Il y a de la vie sur cette planète, les gars. Sottise, cette lune est composée de glace de méthane. Aucune forme de vie ne peut y survivre. Mais... Bon, au travail. Oui, de l'irélium. En abondance, à environ 10 clics de là. Ouh, on a de la veine, en plus, il est raffiné. Tu as fait un excellent travail, Donatello. On va utiliser ce métal pour réparer les dommages. Les misérables, c'est à cause d'eux qu'on s'est écrasés. Oui, ils se dirigent vers la source d'Irélium. Nous devons les prendre de vitesse. Mieux encore, nous allons détruire ces intrus et garder tout l'Irélium pour nous. Ils nous ont privés d'un combat épique. Je ne peux pas m'empêcher d'admirer leur courage, leur persévérance et leur esprit de camaraderie. Ils m'inspirent du respect. Non, ce serait contraire à la charte des salamandres, mon commandant. Ils doivent tous être détruits. Ça va ? Nous y sommes. L'Irélium est situé sur ce pic rocheux. Mettez-moi ça! C'est Michelangelo sur glace! N'épuise pas ta réserve d'oxygène, Mikey! Qu'est-ce qui est le plus important, mon pote? L'air ou bien l'art? Les gars, mon sixième sens est en alerte. Il va se passer quelque chose. Mes capteurs signalent la visite imminente de... Wow! C'est quoi ça?